Beauté des paysages, gentillesse de la population, ciel bleu assuré, 20 degrés en moyenne l'hiver. D'octobre à avril, le Maroc est devenu la destination privilégiée des amateurs de camping-car. Ils arrivent de toute l'Europe. À 27 km d'Agadir, entre Atlantique et montagne, une ville semble sortie de terre. C'est le plus grand camping du Maghreb, avec 1000 camping-cars et plus de 2000 personnes. Retraités pour la plupart, ils reviennent d'une année sur l'autre y prendre leur quartier d'hiver et retrouver leurs habitudes et leurs amis. Ça va ? Oui, ça va, camarade. Tout est prévu pour le confort des résidents. Commerce, restaurant, café, boutique de souvenirs et bien sûr, tout pour entretenir son camping-car, mécanicien ou station de lavage. Même le vendeur de tapis passe à domicile. René, 71 ans, originaire de Rennes et soudeur à la retraite, vit d'octobre à mars au Maroc depuis 10 ans. Alors j'avais une maison, pour vous raconter tout, je l'ai vendue. Enfin, moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste au coin du feu ou on s'en va faire un peu d'aventure. Comme on fait un petit peu d'aventure, allez, on part. Et c'est super. Ce camping-car-là, c'est un modèle qui va chercher à peu près 60 000 euros. Mais bon, il est sympathique, il roule bien, c'est bien. Par contre, j'ai des modèles comme celui-là, mon copain, là, il a un camping-car qui vaut 120 000 euros. Hein. Bon, lui, déjà, il a plus de moyens. Et moi, j'étais ouvrier, hein, ma femme aussi. Donc, on a vendu la maison, on a quand même mis ça. C'est un appartement. Hein. Mais la différence de l'appartement, c'est que tu peux aller partout. Voilà. Le camping est classé 4 étoiles. Il en coûte 8 euros par jour, avec un tarif dégressif selon la durée du séjour. Les allées portent les noms des grandes villes marocaines. Elles suffiront à faire voyager ceux qui choisissent de ne pas en bouger pendant des semaines. Car dans le petit monde des camping-caristes, il y a les sédentaires et les nomades, ceux qui décident de faire le tour du Maroc, ne s'arrêtant dans les campings que pour se ravitailler et réviser le matériel. À Rouen, le groupe des nomades est prêt à quitter la Normandie pour son long voyage. Dernier rangement dans le camping-car pour Daniel et Christiane. Bon, t'as rien oublié, hein? T'as pris le pull, le pantalon. Il y a tout. Bon. Le vin. Là, on a tout ce qu'il faut, là. Hein. On a des conserves. Ouais, il y a des poils et tout ça. Ici. Voilà, comme ça, c'est calé. Ça y est, c'est impeccable. Robert et Marie, eux aussi de Rouen, ont rendez-vous chez Daniel et Christiane. Ces jeunes retraités partent ensemble pour le Maroc pour la deuxième année consécutive. Le voyage de Robert, Marie, Daniel et Christiane va durer 2 mois. Un périple de 9000 km pour rejoindre le Maroc en passant par les routes de France et d'Espagne. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Pas depuis l'année dernière. L'année dernière. Bah, au Maroc. On se quitte plus maintenant, on se quitte plus. On sait pas que c'est d'ailleurs. Comment vous êtes connus? On s'est connus avec le club. Au Maroc. Avec le club. Le club camping-car au Maroc. Et puis on a continué de se revoir entre deux, quoi. Alors le côté pratique du camping-car en même temps, c'est qu'on voyage et on se fait des amis. Voilà. Moi, ce qui me fait l'envie de repartir, c'est tout d'abord le soleil. Le soleil. Ouais, parce que nous, c'est le soleil. L'ambiance. Toi, Marie? Moi, c'est le soleil. Ah oui, oui. Bon, puis il y a ce petit côté aussi
qui n'est pas négligeable quand même au niveau de, d'aller passer ces 2 mois et demi, 3 mois au Maroc, qui fait quand même une économie substantielle au niveau de beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, chez nous, bah, les chauffages sont quasiment ralentis en orgel, et puis il n'y a pas de consommation d'électricité, de gaz, ou très peu, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Donc, par ce la qui suite, fait quand après... même une économie substantielle, qui à notre époque n'est pas, pas négligeable. Hein. Ouais, mais par la suite, après, bon, bah, y a tout le contexte qui dit qu'il y a l'accueil. Oui. Il y a l'accueil, il y a le climat. Oui. Il y a la vie qui est moins chère. Et c'est bon, tout ça, quand on additionne tout ça, c'est vrai que ça a pas mal d'avantages. Les jeunes retraités ont tout leur temps, et pour éviter les péages, ils ont choisi les petites routes. J'aime bien un petit peu cette vie itinérante, un petit peu cette vie de bohème. J'aime bien changer d'endroit tous les jours. Se réveiller à la mer, un jour à la montagne, un jour à la campagne. Et puis, tous les jours, se réveiller avec un nouveau paysage. Alors, nous partons de Rouen. 4 départements du Nord-Ouest, où demain, sur les côtes, les rafales pourraient parfois atteindre 130 km à l'heure. Châteaudun, Vendôme, Tours. 4, 11, 14, 8, 16 et 4 dans l'ordre, et pour 2 euros. Roquefort, Mont-de-Marsan, Dax. Sommet international à Sharm el-Cheikh. Eh bien, après 2 jours de route et une nuit passée sur le parking du centre commercial de Poitiers, les amis normands retrouvent sur une aire de repos à Dax Jacques et Michel, venus de la Drôme, et les Ardéchois Gérard et Michel. Première rencontre du groupe au complet. C'est avec le concours de leur fédération et d'Internet que le contact a pu s'établir. Pour les nouveaux venus, ce sera leur premier séjour au Maroc. On vient chez mon frère, donc du côté de Carcassonne là-bas, donc on a longé les Pyrénées. Enfin, il y a le pont là. Frère, s'est arrêté à Foix. Et là, j'ai dit, tiens, une belle place, il y avait un clocher. J'ai pas dormi de la nuit. Non, vous... Quart d'heure, trois quarts d'heure, tout le temps à sonner. Mais là, on arrive, tu vas voir, c'est 5 fois par jour la prière. Ouais. Et pendant 5 jours, tu vas entendre le mollah là-haut en train de crier dans son clocher. Là, tu vas dire, là. Et à la fin du parcours, on demande de réciter par cœur la prière. Les amis, ils ont conseillé ces gens-là, mais qu'ils ont fait le voyage l'année dernière. Voilà. C'est comme donc ça qu'on se faire ce voyage ensemble et puis que ça se passe pour le mieux. Hein. D'ami en ami. C'est ça, oui. Et puis, il faut savoir que, bien, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Des meneurs. On est sur personne alors. On est tous au même stade et puis c'est quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est l'avantage par rapport à quand on part en club organisé, il y a toujours un petit chef et c'est ça que j'aime pas. Voilà, ben là il n'y en a pas. Là il y en a pas. Je viens prendre la route demain, donc je prendrai la tête demain. Oui, parce que t'as le GPS et puis après en cours de route, on s'arrangera, on verra pour pouvoir discuter de notre itinéraire. Oui. Et puis qu'il y ait toujours quelqu'un, et puis que ce ne soit pas toujours le même qui soit en premier. Quoi. L'engouement pour le camping-carisme ne cesse de se vérifier. Avec 4000 clubs et associations, la France compte près de 600 000 passionnés. La santé, hein, et puis alors, content de notre rencontre, et puis, notre rencontre, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Retour au camping. Les bâtiments réservés aux douches, lessives et autres vidanges sont le lieu des rencontres matinales. Tous les jours, Serge Le Ch'ti, 73 ans, ancien facteur, est à la plonge. Après des années de pratique, il est même devenu maniaque. Il y a des sagouins, ils viennent, ils font leur vaisselle et ils laissent un tas de brins dans le fond du machin. Bonjour pour les hommes, parce que... Un tas de quoi, vous dites? Un tas de brins. Voilà, un bon petit coup, c'est propre pour celui qui vient derrière. Et voilà, allons-y gaiement. Moi je me repose, honnêtement je me repose parce que en plus, j'ai des genoux plastiques, j'ai des prothèses donc je peux pas trop marcher, mais on a toujours quelque chose à faire. Bah, la vaisselle, bon, c'est fait la vaisselle. Il y a le repas du midi, on va jeter un petit coup d'œil. Il y a les courses, on descend en bas. Je vais à la plage, j'ai acheté mon poisson là-bas. Donc j'arrive à connaître tout le monde. Parce que je parle à tout le monde, comme ça, j'arrive à connaître tout le monde. Donc, tout le monde connaît le Ch'timi là-bas, à la plage, quand j'arrive. C'est suite au film
Je dis, ah, tiens, la miloute, c'est resté comme ça, quoi. Autre habitude matinale, la visite au port de pêche, juste à la sortie du camping. René a le contact facile. Il sait tout des pêcheurs et de leur métier. Alors là, nous arrivons dans un petit port de pêche qui s'appelle Umiwada. Et là, tous les pêcheurs qui rentrent de la mer, vous allez pouvoir les voir arriver. Ils commencent à arriver tout le long ici. Là. Et après, ils étalent leurs poissons sur la plage et on peut choisir les poissons qu'on veut et acheter. Ils vont à quelques encablures dans la mer. Ils ne peuvent pas aller très loin parce qu'il n'y a pas de sécurité. Mais ils tendent les filets tout le long de la plage et ils vont les relever et puis ils viennent après. Ils viennent. Tu veux acheter du poisson ? Ils viennent. Ouais. Combien elle pèse à peu près ? Elle pèse combien ? Oui, ça, c'est un gros mulet, ça. Hein. Et c'est du beau. Tiens, venez voir, il y a les araignées. Elles sont belles. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Dans cet immense espace de 14 hectares, on se déplace à vélo et parfois même avec des engins à moteur pour faire ses courses ou se balader dans le camping. Jean-Marc est marin et Annick, psychosophrologue. Ils ont décidé de faire un break dans leur vie professionnelle. Ils viennent d'acquérir pour la modique somme de 4000 euros un camping-car qu'ils surnomment le Bigorneau parce que c'est le plus petit du camping et parce qu'ils viennent de Bretagne. Plaisir pour les anciens mécaniciens. Regarde la place, il y a tout partout. Deux batteries, un filtre à air, un moteur, terminé. L'essentiel. Cette nuit, ça a tellement soufflé qu'on a eu peur que le vent s'envole. Bon, après, eh ben ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut, regardez. Alors hier, on a mangé la tagine au coin avec des olives. Regardez ça un petit peu, c'est pas mimi. Moi, j'ai repas ici parce que c'était tout tristounet, vous savez. Ici, ben voilà, quoi. On est entouré d'Allemands ici, alors c'est très propre à gauche, très propre à droite. Ils sont toujours hyper organisés. Et puis nous, ben... voilà, quoi. La vaisselle, c'est Jean-Marc. Moi, je fais la popote et Jean-Marc, la vaisselle. Voilà. Et Jean-Marc, alors ? Qu'est-ce qu'un marin et une sophrologue font au Maroc en camping-car ? Ah. On fait un break. Alors, ouais. Alors ça, c'est amusant parce que vous m'auriez demandé ça il y a quelques mois. Je vous aurais dit, hors de question, que je sois dans un engin comme ça. Pour moi, ça représente vraiment ce qu'on appelait très facilement le truc du beauf, quoi, total, quoi. Et c'est exactement l'image que je voulais pas avoir. Et puis en fait, il y a 5-6 mois de ça, on s'est mis en chercher un, on s'est dit on teste, allez, c'est on Jean-Marc, essaye. En fait, c'est même pas moi, ouais, ouais. C'est lui, hein. Ouais. Alors on est passé par les montagnes, on a eu de la neige, du vent, de la pluie, enfin toutes ces choses qui font qu'on est bien dans un petit endroit comme ça, qui a son petit chauffage, quoi, ses cocoons, quoi, on est bien, quoi. Et Jean-Marc ne veut pas être en reste avec ses voisins allemands. Un coup de balai s'impose. Burgos Valladolid. Les nomades viennent de passer la frontière espagnole. Un arrêt obligatoire pour les dernières provisions, ses meilleurs marchés. Robert appelle ça l'arrêt anti-gel. Il y a des longues soirées, hein. Ouais. Pluie, neige, vivement le Maroc. En attendant, première nuit sur une aire de repos. Ce n'est peut-être pas très accueillant, mais il y a tout ce qu'il faut pour l'entretien des camping-cars. Ah, moi, je suis heureuse, moi, de partir comme ça. Déjà, j'ai moins de travail, déjà. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Juste faire à manger, petit coup de balai, puis ça y est. Puis se promener, voilà. Qu'à la maison, il y a toujours à faire. Hein.
toujours à faire à la maison. Moi, j'arrête pas à la maison, j'ai toujours quelque chose à faire. Que là, bah, ça me fait du bien. Je me repose plus. Marcher, ça fait du bien. Voir le paysage et tout. Non, 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 moi, je suis heureuse, heureuse. Gérard ne supporte pas la moindre trace de boue ou de poussière sur son camping-car haut de gamme. Là, on a un petit coup, là, on a quand même 3 heures d'avance, mais que je passe bien s'occuper. Hein. Alors, sans option, nu, il fait 77 000 euros. Et avec ? Et avec, là, celui-là, il coûte 86 000. D'accord. Donc, ça commence à être du haut de gamme, quoi, disons, hein, parce que ça va, du camping-car, ça commence à 35 000 euros, jusqu'à des 120, voire 200 000 euros. Lit king size, écran plat et parabole, deuxième couchage, douche indépendante, Gérard et Michel sont très fiers de leur luxueux camping-car. Deuxième nuit en Espagne et aucun camping en vue. Alors, le parking d'une usine désaffectée au bord d'une route à quatre voies fera l'affaire. La liberté, ça se mérite. Chacun s'occupe ou commence à faire connaissance avec le Maroc. Protégé sur son flanc ouest par une muraille Asmoad, c'est ça, Almohad, et sur son flanc sud par le mur des Andalous. La Médilla de Rabat se distingue de la Casbah des Oudayas par l'activité débordante de ses grandes artères. Donc on a les tu plans. Vas aller au hammam, non? Oui, je pense. Il est prévu. C'est la première fois que nous partons en groupe. Ouais. Avec notre caractère assez indépendant, c'est la première fois que nous partons en groupe. Alors vos premières impressions? Pour l'instant, sont bonnes. On partage la même optique, donc visiter sans trop, comment dirais-je, imposer. Être libre de manger soit ensemble ou soit avec les collègues, les amis, même là on va dire que c'est des amis, parce qu'ils sont tous bien sympathiques. Puis c'est pas un gros groupe. Hein. Oui, et 4, je pense 4-5 c'est bien. Daniel, là, je suis obligé de doubler parce que ça pue, hein, les pauvres. Hein. Je suis obligé d'accélérer un peu, là, pour que je rampille. Hein, pour que je dilapide, de façon puzzle. En Espagne comme en France, interdit d'utiliser son talkie-walkie au volant. Pour l'avoir oublié, Robert va écoper d'une amende de 105 euros, payable sur le champ et en liquide. Bah, je voudrais remercier tous mes amis camping-caristes qui se sont cotisés pour payer l'amende. Ben voilà, maintenant on fera plus attention, quoi. On n'utilisera plus le talkie-walkie pour pouvoir discuter entre nous, quoi. Quand j'ai parlé, après ça s'est arrêté, il n'y avait plus rien. Parce que t'es resté trop longtemps, t'as appuyé sur un truc. Ouais, parce que oui, je l'ai à la main, la Marie, et puis toi tu morfiles l'objet du délit, là. Hein? Tu morfiles l'objet. Au camping, c'est l'heure du déjeuner. René, c'est le roi du tagine. Il prépare avec amour ce plat traditionnel du Maroc. Combien de temps vous restez 6 mois. On n'a le droit qu'à 6 mois. C'est-à-dire qu'au départ, on prend 3 mois de normal qu'on a le droit et après, on fait une prolongation. Et la prolongation, bon, on passe. Mais il faut absolument partir. Moi, ma limite, c'est le 11 avril. Autrement, c'est des catastrophes. Bon. Tu risques la prison. C'est-à-dire ? Eh bien, t'es considéré comme chez nous, sans papier. Voilà. Et les autres 6 mois, vous les passez où ? Alors, je m'en vais 2 mois en France voir mes enfants. Je fais le Dauphiné libéré, le vélo, parce que j'adore le vélo. Je ne fais pas de vélo, mais j'adore les courses. Je fais le Tour de France avec les coureurs, étape par étape, surtout les étapes des Pyrénées et des Alpes, pas les étapes de plat. Et après, ben, je repars au mois d'août avec mes enfants, où c'est qu'ils sont, dans le midi où c'est qu'ils sont.
Après, je reviens et je prépare mon voyage pour partir à peu près le 10 octobre. Voilà. Pourquoi venir 6 mois ici? Et pour le soleil, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Lille, il fait moins 3, moins 4. Hein, déjà, en plein été, dans les lacs, il y a plus de sa peine. Hein. Déjà, en plein été, c'est pas terrible, terrible. Alors. Donc, puis ici, c'est bon pour les rhumatismes. Hein. Quand on attend un certain âge, ça fait du bien. Hein. À Lille, je prends des cachets, ici, je prends le soleil. Alors pour un qui ne boit plus, c'est moi qui ouvre la bouteille. D'habitude, c'est ma femme. Mais enfin, bon. Parce que mon mari ne boit pas. C'est vous qui buvez à sa place? C'est moi qui bois ça. Oui, elle m'a remplacé un peu. Bon, tu veux pas boire un verre de rosé? Oh, allez. Tiens. Une très grande réussite. Et je souhaite à vous besoin de le faire parce que on se sent pas vieillir. Moi, j'ai 71 ans. Hein. On ne se sent pas vieillir, on côtoie beaucoup de différentes langues, hein, même parce que j'ai été italien il y a deux là. On se dit bonjour, c'est des petits villages sympas qu'on ne retrouve pas beaucoup par chez nous. C'est fou, c'est fou. J'ai retrouvé ici un gars de chez moi. J'avais été dans le temps, j'avais été au patronage ensemble, donc on s'est quitté à l'âge de 12 ans, 13 ans à peu près. Je l'ai retrouvé ici plus de 50 ans après. Il y a un truc qui est vachement appréciable ici, c'est que les gens ne sont pas agressés, ne sont pas agressifs, ils sont toujours de bonne humeur. Ça, c'est formidable. Les gens sont toujours contents. Et puis voilà, quoi. Si on veut partir du camping, on part. Et puis si on veut partir pour une autre ville, un autre endroit sur la côte, ou repartir dans les montagnes, il suffit de plier les bagages. Et puis voilà, quoi. Donc c'est amusant. Oui. Voilà, Séville. Et Séville, Algeciras, Los Barrios. Le rocher de Gibraltar annonce la frontière marocaine. Mauvaise surprise pour le groupe. En un an, le billet de passage en ferry a augmenté de 150%. Eh oui, ce matin, c'était la police espagnole et aujourd'hui, c'est la compagnie de navigation. Réveil matinal pour être parmi les premiers à l'embarquement. Une traversée de 45 minutes et après 5 jours de route, enfin le Maroc. Première étape sur le sol marocain et sous la pluie. Il manque un peu de soleil. Ah. Mais bon. Le soleil viendra. Nous sommes encore en hiver. Ouais, ouais, ouais. On se trompe pas. Je dis que le soleil il arrive cet après-midi. Casablanca, 16 degrés avec un tout petit nuage noir et puis reste sous ciel bleu. Hein, et 19 Marrakech, donc on va l'avoir. Hein. Ça arrive. Hein. Le mauvais temps n'empêche ni la balade en barque pour admirer la faune, ni la visite du souk de Moulay Bouslem, et surtout pas le couscous chez Momo au Sable d'Or. Troisième jour sur le sol marocain et toujours pas de soleil. On se croirait un petit peu en Normandie, là, quand même. Ouais. Enfin, je crois qu'en France, c'est pire aujourd'hui. Hein. Ils sont en rouge partout, alors... Bon, donc on est mieux ici. On a quand même la chance d'avoir une température de 14 degrés aujourd'hui, quand même, malgré la pluie. Alors là, on est à Moulay Bouslem, et là, on descend sur Rabat. Hein. Dans la journée de demain, on descendra donc sur El Jadida. Après, on prendra cette route-là jusqu'à Safi.
La pluie redouble, 50 ans qu'il n'avait pas autant plu dans le nord du Maroc. Mais à la sortie de Kenitra, à 200 km au sud, les premières cigognes font leur apparition, annonçant l'arrivée du printemps. Le moral est revenu chez les nomades. Le soleil est en fin de la partie. Le groupe va poursuivre son tour du Maroc. Dernière halte au camping. Là, les jours se suivent et se ressemblent pour le plus grand bonheur des sédentaires. Pas besoin de bouger, c'est tout le Maroc qui vient à eux.